apparemment dégâts critiques quand on vise bien le milieu. Voilà, on a terminé. Ouf. Alors, on doit détruire le truc. Ok, on va récupérer les munitions qu'on a. Recharger. Hello. Ils n'ont pas obtenu. Et voilà, niveau 4. À cause d'un parfum. Pouf! C'est du russe. De l'ancien camp. Écoutez. Les légendes sont vraies. Un esprit tutélaire a survécu à la chute. Rasputin, une IA conçue pour défendre la Terre. Il a survécu à son duel avec les ténèbres. Et il est toujours ici, au cosmodrome. Sans doute pour protéger quelque chose. Nous devons trouver un moyen de l'atteindre. Et bonjour tout le monde, c'est Monsieur Nours, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre Let's Play sur Destiny. Donc on est parti, c'est la troisième fois que je fais cette mission. J'ai des problèmes avec les enregistrements, donc on va essayer de la faire et de pas se tromper. Donc on est parti sur la dernière mission sur la planète Terre qui est le dernier relais. Et voilà, on est parti. Donc, en espérant que celle-ci c'est la bonne, comme on dit jamais 203. J'ai signalé un groupe de gardiens dont le signal a été perdu près du relais cosmique. Ils étaient en mission pour l'astre mort et avaient trouvé les codes d'un relais caché, capable de nous connecter aux autres colonies du système. Si nous trouvons leur spectre, nous pourrons peut-être l'ouvrir. Ok, donc je pensais, suite à la quatrième mission, qu'on allait chercher, on allait être à la recherche de Rasputin. Mais non, donc on part sur la planète Terre pour rechercher des gardiens qui seraient... Enfin, on a perdu les signaux des gardiens. Donc faudrait récupérer les spectres des gardiens. Et donc voilà. On va tuer des déchus pour les récupérer. Les spectres sont toujours là. Les déchus les ont. Et donc avec trouver. Il est mort. Cherchez encore. Ok, donc et trouver donc ces codes pour se servir du relais pour se pouvoir se connecter aux autres planètes. Donc voilà. Un petit trick aussi qui était patché depuis, mais voilà. Ici, donc la grotte qui sortait d'ici, là voilà, vous voyez dans mon viseur. C'était le meilleur moyen de farmer les loots. Donc tout ce qui était légendaire, légendaire rare en grammes et tout tralala, tout le monde venait ici. Tout le monde venait ici pour les farmer, donc depuis ça a été patché par Bungie et Activision. Et donc maintenant les mobs ressortent beaucoup moins vite et donc on ne loot pas aussi bien qu'avant. Par contre voilà, c'est cool mais ils ont tué tout le monde et du coup je suis embêté pour... Ah non, c'est bon, ça va top. Ok, donc ça aide quand même un peu, c'est clair. Donc il faut savoir que dans cette grotte, beaucoup de gens y venaient. Rien. Trouvez-en un autre. Celui-ci a encore les codes. Ok, c'est bon. Trouvons le relais. Allez, c'est parti, on file au relais. Donc beaucoup de gens venaient les farmer, donc restez une heure ou deux. Faisaient le max de loot et sortez avec des engrammes légendaires. Attire l'arigot et se stuffer comme ça, c'était juste... Attention à moi.
voilà, on a notre super pouvoir. On va essayer de ne pas mourir, ça serait sympathique. Vu que je ne suis pas mort depuis le début des 3 vidéos que j'ai faites, enfin, des 3 prises que j'ai essayé de faire pour cette mission, ça serait quand même bête de mourir sur celle-ci et que ce soit la bonne qui passe sur YouTube. Les ténèbres sont de plus en plus puissantes. Les spectres et les gardiens tombent comme des mouches. Il faut en finir. La station relais est dans le secteur suivant. Bon, je le redis, hein, je suis vraiment pas fan du fusil à impulsion. Le viseur prend beaucoup trop de place dans l'écran. Et donc, dès que j'ai l'occasion de changer ce fusil, je la prendrai parce que franchement, je ne suis vraiment pas fan. Certes, au niveau de l'attaque, il était meilleur que ce que j'avais, mais... Mais franchement, un peu déçu. Par contre, ça change pas, mais j'ai toujours un gros souci au niveau du viseur. J'ai du mal à viser les mobs. Ce qui serait pas mal, c'est que j'arrive à avoir le même fusil qu'eux avec leur balle à guidée automatique. Je pense que ça m'aiderait grandement. Donc voilà, on a un loot, super, des gants. Donc voici les loots comme ça qu'on ramassait dans la grotte. Hein, donc, sauf que selon votre niveau, bah, vous avez des meilleurs loots et généralement c'était du... Ça partait de la qualité verte, hein, donc qui était pas mal et ça pouvait aller, donc de qualité rare et légendaire. Je sais pas s'il y avait du exotique. L'exotique, c'est vraiment la qualité supérieure du stuff. C'est la meilleure qualité qu'on trouve pour l'instant, je crois, sur le jeu. Donc c'est l'exotique, c'est de la couleur jaune. Voilà, toi, je t'ai pas loupé. Reviens Charlie. Parce que là il est en train de refaire son bouclier sans foirer. Et le recul de ce fusil est très important. Plus vous tirez et plus le fusil recule, c'est très chiant. Alors déjà que j'ai beaucoup de mal pour tirer, si en plus je dois m'amuser... Où est-ce qu'il est passé? Voilà, comme j'avais dit, il a refait tout son bouclier. Ok, on est passé niveau 5. Donc, bah les deux moitiés de mission que j'avais fait tout à l'heure, ça a un peu aidé aussi. On va prendre l'amélioration, sûrement. Ça peut nous aider. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué? Une puissante attaque de mêlée qui inflige des dégâts supplémentaires. Écoutez, on va pas refuser. Ok, on a fusillé un deuxième contrat. Puisque bah, le premier contrat, on l'a fini dans les deux premières prises que j'ai faites. Donc, qui était de ne pas tuer sans ennemis, sans mourir, je crois. Et donc là, voilà, on a fini celui-ci, et là, on a fini un autre. Et il nous restera donc à faire les 6 missions sur le Cosmodrome pour finir le dernier contrat. Je pense pas que je ferai une vidéo sur les contrats, enfin, sur les 6 missions. C'est peut-être le premier pour vous montrer à quoi ça ressemble. Bonjour messieurs. Oh
Ok. Voilà. Toujours avoir un fusil à pompe chargé à portée de main, ça peut aider au niveau du corps à corps. Et on a vu ce que donnait le nouveau talent, donc le coup de poing amélioré. C'est sympathique, ça fait un gros dégât quand même. J'ai douté qu'il en restait un. Ok, top de tête, c'est bien. Il y a plus de bouclier, on en profite. Hop là, je t'avais vu. Voilà le système de commande. Ok, c'est parti. Je dois vérifier si les codes fonctionnent. Ok, donc avant ça, je vais juste regarder quelque chose. Et je reviens à tout de suite. Ok, nous revoici. Bon, au niveau des gants, je pense que ouais, voilà, donc ils sont plus nuls que ce qu'on a. Donc ça ne nous sert à rien. Et donc on n'a plus rien à faire là. Et donc on continue cette mission. Alors j'examine les cryptosystèmes. Intégrité du réseau de sécurité vérifiée. Ça marche. Dehors, le relais, il s'ouvre. Ok, donc on a ouvert le relais. Sécuriser le relais, donc ok, à mon avis il va y avoir des mobs qui vont débarquer. Donc on se tient prêt. Et ben voilà. Ah ouais, d'accord. Carrément ils arrivent en vaisseau quoi, c'est... Ok, très bien, j'espère qu'ils vont pas tous débarquer en même temps. Parce que j'aime pas trop ça. Voilà, ok, d'accord, le vaisseau nous tire dessus. Ah, mes mobs préférés. Et on a une prêtresse. Voilà, la prêtresse, on en a fait une bouchée. Ah d'accord, ça continue de débarquer. Ok, très bien, et eh bien on va continuer de les attendre. Ça nous retire dessus, les esclaves qui redébarquent. Les acolytes. Voilà. Et voilà notre super pouvoir, c'est une petite décharge au sol. Bien sympathique. Une petite décharge au sol qui peut être sympathique quand on est dans le besoin. Donc il nous reste des mobs à tuer. Ils sont cachés où? Ok, ici. Ici. Là, ok, ça redébarque. Petite musique épique pour faire participer au combat. Voilà, j'ai vu une barre de vie jaune. Ok, chevalier avec la barre de vie. Il a pas l'air de rigoler. Ok, on va lui balancer une grenade. Qu'il soit désorienté. Voilà. Ok, on a terminé. Très bien, on a fini cette mission. Donc le relais, ok. Par contre ça serait pas mal voilà, que la musique s'arrête parce que... Ok, donc Georges nous a appelé, Georges le Spectre hein, bien sûr. Le relais. Rasputin en a le contrôle. Le dernier esprit tutélaire. Il me refuse l'accès. Mais il est relié à des structures défensives partout dans le système. Nous trouverons peut-être quelque chose. Quelque chose qui puisse nous aider à survivre aux ténèbres.
Ok, donc Rasputin a contrôle du relais, très bien. Donc ça nous permet de peut-être de découvrir donc trois planètes. Donc on a la Lune, je crois, au milieu. On a Vénus, je crois, sur la droite. Et ça doit être Mars sur la gauche. Ok, on débloque deux améliorations. Des gants, des bottes et enregistrement des anciens. Donc ça doit pouvoir servir, à mon avis, pour la mission. Allez, on repart sur la tour. Pour se quitter dans cet épisode, le cinquième. Donc je pensais qu'on allait trouver le. Ah, on a des améliorations. Je pensais qu'on allait trouver Rasputin, mais apparemment non. Ah oui, donc là, oui, les bottes qu'on a débloquées. Bah écoutez, elles sont meilleures. On va les utiliser. Ça nous rechange la couleur. On repasse blanc-marron. Très bien. On a débloqué l'amélioration du fusil. La dernière. Augmente l'attaque de cette arme. Ok, très bien. Bon, on va passer à 55. Super. Moi qui voulais m'en débarrasser, bien sûr. Non, on augmente le niveau de son attaque. C'est magnifique. Et donc, on va aller sur la planète. Sur la tour. Sur la planète Terre. Sur la tour, valider nos contrats. Rendre l'enregistrement qu'on a eu. Et voir ce qui se passe. Et se quitter pour ce cinquième épisode. Et bien sûr, on se retrouvera pour le sixième bientôt. Je pense qu'entre-temps, je ferai une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui m'a plu aussi. Donc, j'ai deux jeux là qui m'ont plu. J'ai pris donc Drive Club. Donc, il ne va pas tarder à débarquer sur la chaîne. Et Outlast. Je sais que ce jeu est sorti depuis longtemps, qu'il y a déjà eu un DLC. Alors, on va laisser la petite cinématique s'il y en a une. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Donc voilà, Outlast, je sais qu'il est sorti depuis longtemps, il y a déjà eu un DLC dessus, mais voilà, je l'ai pris sur PlayStation 4 et je vais essayer d'en faire de temps en temps une petite vidéo bonus comme ça pour changer un peu de destin, quoi. Et j'espère que ça vous plaira. Voilà, on se retrouve sur la tour. En tout cas, j'espère que cette série vous plaît. Bon, en tout cas, elle me plaît beaucoup. Je suis assez fan du jeu. Donc, on va aller voir l'armurier. Alors, c'est à mon avis, c'est là qu'on rend le truc. Ah non, oui, c'est ça. Donc, l'enregistrement, récompense d'émission. Et on choisit. Ok. Moi, j'ai un lance-roquettes. Voilà, donc on va continuer au lance-roquettes. Quoique une bonne mitrailleuse, ça peut être sympa aussi. Mais non, on va continuer dans le lance-roquettes. Ok. Donc ouais, très bien. On va prendre ce lance-roquettes. Voilà. Le fusil sniper qu'on a toujours au cas où, mais je préfère quand même le fusil à pompe. Hein. On a encore vu enfin, sur cet épisode-là que ça nous a servi. Donc voilà, on va rester. Ah, je vais juste attendre avant de rendre les contrats, parce que les contrats ça donne de l'expérience. Donc je vais juste aller voir ce que nous vaut le maître de classe. Comme ça, si on a un nouveau stuff avec de l'expérience dessus. Ah non, Vous c'est me pas lui, c'est lui. cherchiez? Ok, accepter l'invitation. Ah oui, le multijoueur, très bien. Donc voilà, on a débloqué l'accès à l'épreuve. Donc l'épreuve, c'est tout ce qui est multijoueur et Entendez-vous PVP. battre? Donc, je suis pas trop fan du PVP, mais on ne sait jamais. Je ferai quand même peut-être une vidéo dessus pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais je suis pas fan du PVP, quoi. Ok, offre de contrat. Donc ça, c'est C'est fait, c'est fait. Xander qui va nous inviter. Et voilà, donc là, on va rendre nos contrats à Xander. Confirmé. Et donc oui, je rends. Confirmé. Ok, donc là on a. Je rends mes contrats en fait à la fin parce que si vous avez des pièces qui sont upgradables, donc qui ont des augmentations à venir, l'XP qu'on récupère en rendant les contrats peut nous servir à augmenter ces pièces. Donc toujours rendre les contrats à la fin. Et comme ça vous permet d'avoir des upgrades. Voilà, donc là on a débloqué encore tout. Voilà.
un talent de notre doctrine qui est donc améliorer la récupération et la résistance. Donc on va pas rechigner dessus, un peu plus d'armure, un peu plus de régène, ça fait pas de mal. Et donc voilà, on en a fini. Donc il nous reste les 6 missions à faire sur le cosmodrome, ça je pense que je le ferai. Et terminer 5 parties en mode domination, je pense que je le ferai aussi. Donc sur peut-être une petite vidéo comme ça de temps en temps, mais je suis pas fan du PvP, mais voilà, je ferai au moins une vidéo dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble le PvP sur Destiny. Et voilà, donc on en a fini pour aujourd'hui, on se retrouvera très bientôt pour le 6e épisode. Donc ça sera l'épisode où on fera les 6 missions dans le Cosmodrome. Ensuite, on fera peut-être un épisode sur le PvP pour changer et on partira sur la lune dans le 8e épisode, si je compte bien. Donc le 6e, ça sera l'émission, le 7e, le PvP, et le 8e, ça sera la lune. Et on aura donc, si je me souviens bien aussi, à faire l'assaut sur le Cosmodrome qui est de level 8. Donc dès qu'on sera level 8, on n'hésitera pas à faire ce petit assaut. Et ça vous permettra de voir comment on joue s'il y a plusieurs, parce que pour un assaut, ça sera à 3 joueurs maximum. Donc bah voilà, c'est fini pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, laissez un commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo. Et bah, je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!